effort, progrès, innovation, du sport, toujours du sport. Pour la deuxième année consécutive et pour fêter leur 30e anniversaire, les Olympiades de la chimie ont remis performance, vitesse et récupération au menu des meilleures premières et terminales des lycées français. 43 élèves réunis à Chimie Paris Tech, rue Pierre et Marie Curie, pour en découdre pendant 2 jours, épreuves orales, écrites et manipulations. Il est temps de se mesurer au gratin de la chimie catégorie junior dans les starting blocks. En chimie comme en sport, l'union fait la force. Je suis super motivée, il y a un peu de stress derrière forcément, mais je pense que j'ai toutes mes chances, donc j'ai donné le maximum. C'est déjà le début des Olympiades, c'était déjà une compétition puisque ça reste un concours, donc on essaye de faire le mieux possible. Être ici à Paris pour faire des épreuves de chimie dans des infrastructures comme celle-ci, ça va être impressionnant. Rendez-vous majeur de l'enseignement scientifique en France, les Olympiades attirent les meilleurs de l'Hexagone et d'ailleurs. Je suis arrivée hier matin, après j'ai pris l'avion durant la nuit et donc j'ai visité un peu hier. Je suis allée au Louvre et au Jardin des Tuileries, donc ça a bien allé, mais j'étais fatiguée. Je pense que l'épreuve qui va être la plus difficile, c'est celui de l'entretien ce matin. À cause de ton bilinguisme? Peut-être à cause de ça, peut-être parce que je pense que les gens qui sont vraiment du bon niveau, c'est là où ils se dégagent le plus, donc ça va être l'épreuve un peu la plus intimidante, on va dire. Ton accent peut être un atout pour les professeurs. Hein. Ça peut être un atout ou pas, je sais pas, ça dépend. Ça dépend ce qu'ils aiment, je sais pas. Canada, Liban et même Mayotte sont montés à Paris, mais la palme du décalage horaire reste à l'actif de la candidate de Nouméa. Avant même le début des Olympiades, elle a dû digérer un voyage marathon. Je viens de Nouvelle-Calédonie, c'est à 18 000 km, donc j'ai fait un vol de 24 heures pour venir. T'as préparé avec assiduité? Oui, j'ai révisé surtout dans l'avion, parce que j'avais du temps de libre, donc du coup j'ai bien révisé dans l'avion. Dom-Tom, Franche-Comté ou Midi-Pyrénées, il représente les quatre coins de la France et de l'Ardèche. C'est un élève d'un lycée agricole qui a fait le déplacement. Concentré mais tendu aussi, parce que bon, enfin, moi je viens d'Ardèche, j'ai pas trop l'habitude de Paris, c'est grand quoi, je veux dire, c'est magique quoi. D'avoir réussi à venir là, c'est déjà bien quoi, donc on verra ce que je ferai après. Tension, appréhension avant les premières épreuves, certains optent toutefois pour la décontraction. J'ai l'habitude de passer des oraux, ce genre de choses. Je sais que le stress, ça peut être beaucoup un facteur négatif, donc j'essaie de diminuer au maximum. Et du coup, bah après, je suis là pour faire ce que je peux faire, donc il n'y a pas de raison de stresser particulièrement. Dernier préparatif avant d'affronter les jurys et la concurrence, mais pour certains, comme pour le baron de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. C'est juste un concours pour voir pour la chimie. Il n'y a pas d'enjeu pour mon avenir plus que ça, à part si jamais je fais un bon classement, c'est bien, sinon, tant pis. Comment tu as connu ces Olympiades ? Mon frère, qui a fait ces Olympiades, qui avait fini premier sur les nationales et qui était parti après aux internationales. C'est pas le concours en lui-même, c'est la préparation qui permet après de s'avancer, d'apprendre des choses, quoi. Donc je suis plus là pour l'apprentissage que pour le concours en lui-même. Les gènes du chimiste feront-ils la différence? Début de réponse avec la première épreuve du jour. Sept élèves par groupe, connaissances scientifiques, culture générale, élocution, réactivité. Faux départ interdit face à un jury exigeant. 3 sujets au menu, chimie et sport aquatique, chimie et métaux dans le sport, chimie et boissons pour sportifs. Le terrain de jeu est vaste, près d'1 heure de questions-réponses où dosage d'ions, composition d'équipements sportifs, équations et formules chimiques sont soumises aux candidats. De quoi réagir du tac au tac ou passer son tour. Pour certains, l'oral a laissé des traces. Tout le monde a à peu près plongé, mais il y en a qui l'ont fait mieux que d'autres.
comme moi, j'ai bien plongé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus axé sur l'échange vraiment, essayer de construire vraiment des raisonnements pour dire ça. Et c'était vraiment de la réponse la plus rapide possible. Il fallait beaucoup de connaissances, etc. C'était une épreuve à laquelle je m'attendais pas. C'était assez particulier, mais c'était intéressant aussi, bien sûr. Mais ouais, peut-être que j'étais pas le mieux préparé pour ce type d'épreuve-là. Même aux plus férus, les connaissances scientifiques ont parfois manqué. La culture sportive également. Je suis absolument nul à ça. Je suis en sport, enfin, j'ai jamais regardé un match de foot à la télé, ça m'intéresse pas. Et donc j'étais très très mauvais à ça. Mais tout le monde était mauvais, donc ça va. Tu restes mobilisé pour les deux épreuves suivantes? Ah oui, bien sûr, plus encore maintenant qu'avant. Parce que je suis plutôt bien réussi et maintenant je suis chaud. Rodé, enthousiaste, mais avant de poursuivre le concours, les candidats vont recharger les batteries, la tête aux épreuves toujours. Je pense que le reste va mieux se passer. Je pense que l'oral, c'est la partie la plus difficile, et surtout pour moi. Donc, je suis optimiste pour le reste. Plus dur est passé. Ouais, je pense. Bon appétit. Merci. Les stocks de glycogène reconstitués, pas question de se relâcher, l'heure de la conférence a sonné. Une heure d'exposé menée par Carole Petitjean du groupe Rocket. Au menu, l'alimentation de l'effort et de la récupération. La performance sportive optimisée grâce à la nutrition avant, pendant et après l'effort. Amidon, glucose, fructose, saccharose, mais aussi et surtout protéines, en l'occurrence végétales. Un exposé à assimiler avant de plancher. Prise de notes imposée. Les Olympiades 30e du nom portent bien leur nom. Avec les années, le concours s'est développé et a acquis une incontestable légitimité, soutenue, encouragée par les institutions et grands groupes industriels. Un coup de pouce nécessaire pour pérenniser l'excellence scientifique française. Il y a 2000 lycéens qui ont suivi la préparation dans toutes les régions de France. Donc c'est un vrai succès, qui est soutenu au niveau local par les unions des industries chimiques régionales et soutenu évidemment par tous les collègues enseignants dans de nombreux lycées de France qui participent presque bénévolement à la préparation des lycéens. Après la conférence, le questionnaire qui parfois joue avec les nerfs, QCM et calcul s'ajoutent aux démonstrations et explications à fournir. 1h15 à phosphorer, mélange d'endurance et d'efficacité. Bon bah c'est fini. Allez, vous arrêtez d'écrire. Fin des hostilités, rapide débriefing, les barres protéinées suffiront-elles à réparer des organismes et neurones éprouvés? C'était long, c'était un concours et bah, il a fallu faire vite, mais je pense que j'aurais pu faire mieux et je vais peut-être perdre des points là-dessus. Ils nous demandent pas mal de trucs, plus qu'en cours, beaucoup plus, il faut réfléchir pour une fois, ça change beaucoup. Au moins ça c'est réglé, puis bah, maintenant on verra bien, c'est difficile de s'évaluer de toute façon sur des épreuves comme ça. Tu t'attendais à ça? Pour l'oral, pas du tout. Pour l'écrit, un peu. Et puis bon, maintenant, on verra bien de toute façon ce que ça peut donner dans des situations comme ça qu'on n'est pas habitué à vivre en temps normal, on va dire. Qui dit sport dit force physique, mais aussi mentale. Dans la tête, nos jeunes athlètes tiennent la route. J'en vois certains qui ont une vraie culture comparée à moi. Enfin, j'espère être quand même dedans. Et puis demain, c'est l'épreuve TP. Bon, je suis pas particulièrement doué pour les TP, mais j'espère que ça le fera. Il y a la place pour gagner, d'après toi? Il y a toujours la place. Quand on est motivé, on peut, oui, mais... Je sais pas du tout ce que vont faire nos adversaires, c'est ça le problème, en fait. C'est vraiment donner le meilleur à soi-même, et essayer de faire mieux que les autres. Mais bon, au final, je suis à Paris, je suis content d'être là. C'est important. Esprit sportif, solidarité, les candidats n'ont pas oublié les fondamentaux. Leur première soirée parisienne soudera encore plus les liens.
8 heures passées à l'université Pierre et Marie Curie et à l'École nationale de chimie, physique et biologie. L'épreuve de manipulation peut commencer. Équipement de rigueur et matériel de pro. Aux burettes, électrodes, béchères et pH mètres s'ajoute un encadrement de pointe, un travail d'expert. Ils ont besoin d'utiliser des pipettes et de prendre des volumes aussi précisément que possible. Donc toute erreur de manipulation de la pipette peut se traduire par une incertitude considérable sur la qualité de la courbe d'étalonnage qui va être réalisée au spectrophotomètre. Quelqu'un qui va paraître brillant et très rapide au départ peut très bien faire une erreur en cours de route qui va l'amener à avoir une mauvaise note à l'arrivée. Alors ça ne retire rien à sa valeur, mais à un moment, il a commis une erreur qui va être très pénalisante au niveau d'un concours. ...3h30 à doser, diluer, hydrolyser et analyser pour déterminer l'efficacité des boissons de l'effort. Les premières impressions ne trompent pas. La manip de cette année, il y avait beaucoup de choses, hein, c'était assez dense. Et je suis déjà favorablement impressionné par ce qu'elles ont fait. Elles se démènent bien, elles sont assez rapides. Après, il y a toujours les aléas, des résultats expérimentaux un petit peu aberrants ou pas. Mais je suis assez impressionné, je trouve qu'elle se débrouille bien. Océane, comment ça se présente? C'est difficile à dire. Là, la chromato, on voit pas trop. On ne voit pas forcément tous les dépôts, donc je sais pas. J'espère qu'on pourra tout voir, que je pourrai l'analyser. Et puis, de toute façon, il reste pas beaucoup de temps, donc c'est joué quoi. C'est joué, et bien joué pour certains, mais pas pour tous. C'était bordélique, comme je dis. C'était le gros bordel, ouais. T'as accompli ta mission ou c'est un échec? Ouais, c'était moins le bordel que je croyais. C'est bien parti, ça finit comme d'hab, mais c'est bien. Donc t'es plutôt content? Ouais. C'était un bon bordel. Ouais, voilà. Pas de quoi pourtant décourager la voisine. Vive la chimie! Ah non, moi ça m'a envie de poursuivre. C'est sûr que je veux pas m'arrêter là. Enfin, ce qui me fait, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est avec la chimie, on peut comprendre un peu comment le monde fonctionne, comment nous on fonctionne dans le corps humain. Et c'est ça que je trouve ça passionnant de comprendre un peu plus, de ne pas voir juste que quand on mélange deux produits, ça fait de la couleur, mais de savoir un peu plus au fond d'où ça vient. Terre à terre ou plus perché, certains ont pris le temps de savourer. J'ai bien profité de la vue pendant le TP, j'ai eu des moments de vide, donc j'ai regardé la Tour Eiffel, Notre-Dame, un peu tout. C'est une expérience exceptionnelle que tu viens de vivre ces derniers jours. Oui, c'est vraiment ça, c'est rien que venir à Paris, venir dans ce labo ici, en face de la Tour Eiffel, manipuler comme ça, enfin, c'est juste royal quoi. C'est pas juste la chimie, les Olympiades, c'est aussi être avec les autres, vivre avec les autres. T'as rencontré des profils intéressants? J'ai rencontré des personnes gentilles, intéressantes, intelligentes, tout ce qu'il faut. Fini l'acide chlorhydrique, le permanganate de potassium et la chromatographie. Place à la détente et ça promet. Ce soir, on tourne à quoi? Barre protéinée, du glucose, de l'eau? Voilà, exactement. Peut-être un peu d'éthanol aussi, mais ça, faut pas le dire. 43 lycéens à la découverte de Paris, une récré bien méritée. Avant l'heure des récompenses et des trophées, un pas supplémentaire vers, souhaitons-le, une brillante carrière. Virtuose scientifique et jeune de leur temps, les Olympiades, même trentenaires, ont une nouvelle fois accouché d'une délicieuse alchimie.